Elle est belle, celle-là aussi. Alors, suis attentivement. Comment calculer des pourcentages quand il y a des zéros qui traînent? Déjà, j'espère que tu sais que 2, c'est fois. Sinon, regardons l'autre vidéo. Et ensuite, c'est pourcent. Donc, 100, 2 zéros. En fait, dès que tu as 2 zéros, tu peux les barrer. Et juste le calcul, c'est 2 fois 7, 14. Donc, tu as en fait 20% de 70 euros, 14 euros. 30% de 120, pourcent. Donc, faut que tu barres 2 zéros, tac, je les barre. Et donc, je reste à multiplier 3 avec 12. 3 fois 12, 36. Donc, ça fait 36 euros. 5% de 400, y a-t-il 2 zéros? Oui, ils sont de ce côté-là, mais il y a bien 2 zéros. Je barre les 2 zéros, reste à faire 5 fois 4, 20, ça fait 20 euros. 3% de 5000, attention, tu ne les barres pas tous, pourcent, il faut en barrer 2. Donc je barre 2 zéros, donc le calcul c'est 3 fois 50, on se fait pas avoir. Donc 150 euros. Et le dernier, bah, je t'ai réservé le meilleur pour la fin, 40% de 220 euros. Évidemment, c'est le tien, et je veux ta réponse en commentaire.